en France maintenant, si vous dites que les Palestiniens ont le droit de mener la résistance, y compris armée, contre une occupation coloniale, ce qui est la base même du droit international, de la charte de l'ONU, ce qui est reconnu par tous les juristes, que évidemment, contre une agression armée, on a le droit de se défendre par les moyens qu'on juge bons, y compris les armes, eh bien pour ça, Macron, Darmanin et compagnie veulent envoyer des gens en prison et sont déjà en train de commencer à le faire. Donc ça montre que la France, qui est en grand déclin économique, compte sur le pillage de la Françafrique, du Moyen-Orient, du pétrole, du gaz, de l'uranium, des recherches naturelles, pour essayer de maintenir son train de vie, enfin le train de vie de ses élites, pour essayer de maintenir la capacité des multinationales françaises à rivaliser avec la compétition internationale.